la bière, il a besoin d'interprète dans l'ampoule. Voilà son doigt, voilà l'interprète. Du coup, on l'appelle l'interprète dans l'ampoule. La bulle, c'est ça. Du coup, il va la lumière. Il va la lumière, la lumière. Il va le tester dans le miroir. Tel est quoi? Tel est le J qui est après I. Voilà le J. En patron, il a ceci. Et puis, il a ceci. Le jaune là, c'est ce truc là, c'est quoi? C'est ça, mais qui a tiré le miroir. Le miroir en question, c'est ça qui a le. Et c'est ça, mais c'est un mec qui a tiré le tiroir. Le tiroir en question, c'est ça qui est le miroir. Comme je vous l'ai expliqué, la définition du miroir, c'est quoi? Forme. Ça fait forme. Miroir comme tiroir. Comme un tiroir. Là, la mère qui a tiré le tiroir et puis il avait quoi? Il a vu c'est la I. Le gars là, I. Et là, c'est quoi? Le I, là, c'était là, la personne off. Et donc là, c'est tout quoi? C'est lui qui est le petit G là. C'est lui qui est le 7, c'est la limite du miroir. Donc il s'est vu quoi? Il s'est vu dans quoi? Quand il a tiré le tiroir, il a vu I. Donc il a vu lui-même. Il a vu lui-même, la personne image dans le miroir. Et cette image là, c'est quoi? Cette image là, c'est quoi? C'est ça qui dit, regardez le J en bas, le J, il parle de l'image du miroir, c'est quoi? Il a quoi? Un patron de J, c'est quoi? Il a un moins là, un peu un I. C'est-à-dire moins I. Il a la position d'offre dans la loi. Moins I, c'est-à-dire d'opposer le I, c'est-à-dire, donc ça va être le côté de l'offre. Et le côté de l'offre, c'est ça qui existe. Et à la position 6 dans la famille, c'est ça qui est F. F là, c'est ça qui est l'image du miroir. Et vous savez quoi? Le miroir inverse l'image. Tel aussi le sens de moins I. Moins I. Le I, c'est ça qui est l'offre. C'est ça qui est le mystère du miroir. C'est lui, mais c'est lui qui est le petit G. C'est lui qui est le 7, le mystère du miroir. Donc l'image là, c'est quoi? C'est l'image, c'est son inverse, puisque le miroir inverse l'image. Donc l'image, là, c'est moins I, c'est-à-dire, ça fait 6, moins 9. C'est-à-dire l'opposé de 9. L'opposé de 9, c'est ça qui est 6. Et alors, le 6, il y a la valeur de F. Donc l'image, là, c'est ça qui est F. Ainsi, F est. Voilà 7, voilà son image. Qu'il fait pas. Quand vous écrivez 7 sur une ardoise par exemple et vous faites passe au miroir, vous ne verrez pas dans le miroir là, l'image là que vous verrez là, vous ne verrez pas 7, mais vous verrez pas, vous verrez F. Vous pouvez inverser ça. C'est comme ça. F qui est là, c'est quoi? C'est l'image. L'image est de 7. Cette unité là, dans le miroir. Et cette image là, c'est quelle fois? Va s'écouter le 6, le carbone. Parce que le 7 là, il a appuyé sur la lumière de l'ampoule. Il a appuyé sur l'intérieur de l'ampoule pour avoir lumière. Ça suppose que quoi? Ça suppose qu'il fait nuit, qu'il a absence de soleil. Ça suppose qu'il fait nuit. Donc c'est quoi? C'est un visiteur. C'est un visiteur de miroir la nuit. Et la nuit là, la nuit, le miroir va sécréter quoi? Va sécréter le carbone. Vous savez la raison. Il va sécréter le carbone. Une fois qu'il a appuyé sur l'interprète dans l'ampoule, l'interprète est dans la sonnerie, le chien va aboyer. Et du coup, la femme là, la fumée, le Lucifer, très jalouse, elle va sortir. Vous verrez si c'est une femme. Et c'est la fumée, c'est une fumée. En elle, il a le carbone qui est là. C'est comme ça. Et comme ça, elle couvre quoi? Elle sort. Elle couvre quoi? Elle couvre le conseil que le propriétaire, voilà, est là, va prodiguer au visiteur. Elle couvre ça. Elle est dans sa foule. C'est la fumée, non? Elle est dans sa foule. Et le carbone qui est en lui, qui est en elle, le carbone là, va commencer par faire quoi? Va commencer par lui prodiguer ses conseils à lui, ses mauvais conseils. C'est comme ça. Donc, au visiteur du miroir.